Bien, bonjour et bienvenue à tous. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une petite heure. Et aujourd'hui, 1 h 30 même, pardon. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Caroline Attia. Bonjour Caroline. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur behance.net/live/fr. Bienvenue à ceux qui nous suivent du côté de la chaîne YouTube Adobe France. Et je vais vous mettre dans quelques instants dans le chat un petit lien pour nous rejoindre du côté Behance, parce que c'est un peu là que tout se passe en ce moment. C'est un peu là qu'on échange avec vous et qu'on échange avec les artistes qu'on reçoit. Donc on va essayer d'en profiter pleinement. Pour ceux qui débarquent, pour ceux pour qui c'est la toute première fois sur la chaîne, il y a un chat, donc vous pouvez échanger avec nous, vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez poser des questions à Caroline, et c'est ça qui est plutôt bien là-dedans. Je vais vous remettre d'ailleurs le petit planning de la semaine, comme ça vous saurez ce qui s'y passe. Donc lundi, Pauline, pardon, a reçu Neil lundi à 14h. Je vous ai parlé d'audition mardi matin. On a reçu PM hier après-midi. Demain à 14h, on aura Zakizi et vendredi, ce sera Pauline qui recevra Ectomorph, qui était déjà passé avec nous pour de l'illustration, mais cette fois-ci, on sera plutôt sur un rendez-vous en mode communauté, comprendre un peu comment ça marche une communauté, comment elle gère la sienne et comment elle fait ça avec c'est les gens qui fonctionne avec elle, followers, pour beaucoup même qui sont devenus des amis et tout, donc ça c'est plutôt une bonne chose, c'est une nouvelle manière de travailler. Et du coup, je vais repasser à toi, Caroline, est-ce que tu peux en quelques instants et sans image pour l'instant te décrire, nous dire qui tu es et ce que tu fais? Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Caroline Attia, je suis réalisatrice de films d'animation et illustratrice et je travaille en freelance depuis plus de 15 ans. Voilà. Très bien, écoute, merci pour ça. Est-ce qu'il y a des gens dans le public qui étaient avec nous lors des précédentes sessions de Caroline et qui auraient du coup déjà découvert son travail? Un petit oui, un petit non dans le chat. Et deuxième question pour le public, est-ce que vous. Enfin, quel est votre lien à l'animation? Genre, est-ce qu'il y a des animateurs dans la salle? Parce que j'aimerais bien savoir. Je suis assez curieux. Hop. Et puis peut-être que je vais tout simplement partager ton écran si ça te va. On est chez toi, comme ça tu pourras nous faire un petit tour d'horizon de qui tu es et de ce que tu fais. Vas-y, à toi. Ok, ça marche. Donc oui, voilà, là on est sur mon site internet et là c'est sur la page d'accueil directement. C'est plutôt les derniers projets que j'ai faits, où je fais une sélection des projets qui me plaisent bien, que j'ai envie qu'on voit. C'est un peu un mélange des travaux d'animation, d'illustration, de livres jeunesse. Comme ça fait un petit moment que je travaille, j'aime bien évoluer dans différents domaines. J'aime bien varier les plaisirs en termes de médium. Et aussi, j'aime bien varier comme ma façon de travailler, mais bon, petit à petit, il y a forcément un style qui a émergé de ce que je fais. Et quel que soit le médium dans lequel je travaille, finalement, on retrouve, j'ai l'impression qu'on retrouve quand même ma patte un peu partout. Dans les derniers projets que j'ai fait, je peux vous montrer cette petite vidéo qui est une série. C'est une série de vidéos que j'ai faites avec une ONG qui s'appelle Aga Khan, qui se bat pour l'éducation des petites filles, et notamment en Afghanistan. Et ça, c'est notre troisième collaboration. On avait déjà fait une vidéo autour de ce personnage, Layla, et pour expliquer comment ils aidaient les écoles à se construire en Afghanistan, à ramener les petites filles à l'école, parce que là-bas, elles vont très vite, elles sont sorties des écoles pour travailler, ou pour être mariées de force, ou pour plein de choses. Et le Covid, ben, n'a pas eu un impact génial sur leur éducation. Et du coup, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour les faire continuer à étudier à distance quand les écoles étaient fermées pendant le Covid. Donc, si vous voulez, je peux Donc, montrer tu la dis, petite tu fais vidéo. play, on regarde, tu peux même la mettre en plein écran comme ça. Et on peut parler dessus si tu. Ouais. Parce que pour le coup, Donc, c'est sous-titré, ouais. ouais, c'est sous-titré. Et c'est de l'animation qui est faite plutôt dans Photoshop. À la base, comme c'est pas des très gros budgets, l'idée c'était plutôt d'avoir des illustrations un petit peu animées. Puis finalement, comme je m'amuse beaucoup à les faire, j'anime beaucoup plus que ce qui était prévu. Mais c'est animé dans Photoshop et puis tout est monté dans After Effects ensuite. D'accord. Ce que j'aime bien dans l'animation dans Photoshop, c'est qu'on peut vraiment travailler les concepts, les illustrations et après les animer. Enfin, directement dans le même logiciel, en gardant les brushes, en ayant vraiment le même travail plastique, pictural,
dans l'illustration que dans l'animation. Ouais, ça c'est un truc qu'on avait pas mal évoqué, ben déjà avec toi et avec Stéphane Baril, parce que je sais que la dernière fois on a parlé de son anime dessin, qui est un Ouais. bon gros outil pour ça, justement pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion. Je vais vous retrouver le lien d'anime dessin, histoire que vous puissiez jeter un œil. C'est vrai que c'est un outil à tout faire pour maîtriser la timeline de Photoshop et c'est cool. Ça marche très bien. Et donc tout Ouais. ça, ce projet-là, t'étais toute seule dessus à 100%? Je t'entends pas très bien du coup parce qu'il y a le son Pardon. de la vidéo qui est à fond dans Ah oui, mes. mince. Et alors chez nous, il n'est pas du tout à fond. Et j'arrive pas à le baisser, mais bon, c'est pas très grave. Et sur même sur le petit truc Je sais pas vidéo s'il y a là? le son du. Non, non, nous, on n'a pas de son de vidéo. Vous n'avez pas le son de la vidéo, Ouais, d'accord. ouais. Chez moi, il est très fort. Et à côté de la petite roue crantée de Vimeo, tu sais, t'as la petite. J'y étais presque. Juste Non, un. j'ai pas de quoi le baisser. Bon, c'est pas très grave. D'accord. Mais bon, donc du coup, c'est une ONG avec laquelle donc j'ai fait déjà 3 vidéos. Il y en a une quatrième qui est en cours, qui sera probablement finie au printemps. Et ce qui est chouette, c'est vraiment la cause pour laquelle j'ai pu faire cette animation. Puis ils me laissent assez libre. J'ai aussi fait un peu des illustrations pour eux. Et c'est chouette d'avoir une relation de travail sur le long terme. Ça doit faire 3 ans que je travaille avec eux. Et c'est toujours Sarah-Jeanne Ziegler, la même compositrice qui fait la musique. Donc il y a aussi une identité qui s'est créée. Alors Quand ça on fait pour un projet comme ça, on a fait des petits gifs aussi qui sont tirés de l'animation, mais que j'ai retravaillé un petit peu pour que ça boucle. Ouais, pour le coup, tu citais la compositrice, on Ouais. l'entendra pas trop, mais de toute façon, Ah ça c'est des oui. projets qu'on retrouve sur ton site, hein, Sur sur mon site, oui, carolinatia.com. tout à fait. Donc Et n'hésitez pas donc à vous jeter pouvez un aller œil le voir là-bas. avec le son quand même, parce que c'est sympa. Ça participe beaucoup, ouais, c'est très clair. Oui, voilà. Et donc voilà, donc il y a. Hop. Ça, c'est un des projets sur lesquels j'aime vraiment beaucoup travailler. Sinon, je fais aussi, comme j'ai dit, de l'illustration jeunesse. Donc, un des derniers albums sur lesquels j'ai travaillé qui est sorti, ça s'appelle La Nouvelle s'appelle Caillou, aux éditions Gauthier Langros. Et c'était un texte qu'on m'a proposé qui est vraiment super, enfin, que j'ai vraiment adoré. J'ai eu un vrai coup de cœur sur le texte, sur la différence. Bah, toujours, hein, c'est un thème qui revient finalement pas mal dans mon travail, puisque mon premier album jeunesse que j'avais écrit était sur ce thème, sur l'intégration, sur la différence de culture. Et c'est une petite fille qui vient d'un pays étranger, qui parle pas la langue, qui débarque à l'école et qui s'appelle Caillou. Caillouche, en fait, mais tout le monde l'appelle Tout le monde Caillou, l'appelle ils Caillou comprennent comme. Caillou. Et tous les enfants ont des prénoms très bizarres, ils trouvent son prénom complètement bizarre. Mais puis ils s'imaginent des trucs vu de son origine, ils s'imaginent des trucs sur elle, sur sa famille. En fait, il se trouve qu'elle fait du piano et par la musique, en fait, elle va arriver à recréer un lien avec les autres enfants. Super. Donc voilà, certaines des illustrations du livre. Et ça, c'était le projet que j'ai fait pendant le premier confinement. J'ai enchaîné un peu, je sortais de congé maternité quand le premier confinement a eu lieu, donc en fait ça fait 1 an et demi que je ne vis plus normalement, quoi, que j'ai pas une vie normale. C'est Mais ça. c'était le projet de sortie de maternité, donc qui s'est fait pendant le confinement. Ouais, du coup, ça lui donne un contexte particulier, c'est clair. Ouais. Sinon j'ai fait aussi pendant le confinement, j'ai eu la chance de travailler pour le, enfin c'était vers la fin, pour le New York Times, ils m'ont appelé pour faire la couverture du supplément Weekend. Et c'est là où je trouve que de plus en plus le lien entre illustration et animation est assez flou, puisque à la base ils m'avaient contacté pour faire une illustration, mais comme ils avaient une version digitale, il y avait l'option si je voulais de faire une version animée. Ah, Évidemment, c'est moi cool. j'ai sauté sur l'occasion parce que C'est quand même la. j'adore animer, donc voilà. Et puis pareil, hein, j'ai pu faire l'illustration dans Photoshop et faire l'animation dans Photoshop. L'idée était d'intervenir sur des petits personnages, pas forcément tous, faire des petites boucles qui vont donner l'animation vivante et en même temps qui vont lui permettre de tourner en boucle pour illustrer l'article en ligne. Et donc là, c'était la couverture, l'illustration en entier et encore plus grande, la couverture en ligne du magazine. Bon, j'ai pas réussi à avoir d'exemplaires parce que c'était un peu compliqué. Oui, en ce Ouais, moment, les magazines, c'est un peu l'illustration en entier. complexe. Bah, surtout que c'était à New York, donc c'est compliqué. Il devait m'en envoyer un, mais je crois qu'il a dû se perdre. Pas de Voilà. chance, il Pas a de pas chance. supporté le voyage. C'est ça. D'accord, bah ça c'est super tout ça. Ouais, voilà. Donc je peux vous laisser découvrir un peu mon site. Bon, ça c'était mon dernier court-métrage. J'en avais parlé la dernière fois que je suis Ouais, venue au pays de tout à l'aurore fait. boréale.
qui est de plus en plus récompensé au fil du temps. Il est diffusé à pas mal d'endroits maintenant. Ouais, voilà, moi je pense qu'il a, il a fait une année, là ça fait une année qu'il tourne en festival, donc ça se calme un petit peu maintenant, puisqu'il a un peu fait le tour. Il a eu plus d'une cinquantaine de sélections et 8 prix, donc oui, c'est cool. C'est plutôt une très, très belle performance, bravo. Très belle performance, et j'espère qu'il aura encore une vie après, peut-être, mais bon, peut-être au cinéma, on verra, à voir. Ça finira c'est encore par en arriver. Discussion, c'est encore en discussion, mais ça devrait arriver, mais il n'y a rien de précis. Et puis après, certainement sur des plateformes en ligne, il sera visible. Probablement qu'il y aura un DVD. Enfin, je sais qu'ils éditent pas mal de DVD chez Folimage, donc probablement qu'il y aura aussi un DVD. C'est quelque chose qui marche encore pas mal, apparemment. D'accord. Ouais, là, du voilà coup, quelques images. Dans les gens qui nous regardaient, on a Camille qui nous dit qu'elle avait découvert ton travail dans les précédents lives. Sébastien qui trouve que tu as des super conseils. Donc lui, il n'est pas animateur, mais il aimerait bien faire de l'animation dans certains projets. Ok. Bah ouais, c'est vraiment. C'est sûr que pour les illustrateurs, Photoshop, je trouve que c'est très bien une fois qu'on a compris comment mettre ça en place. Même pour faire des petits mouvements ou des petites choses qui vont donner de la vie à ces illustrations, il n'en faut pas forcément beaucoup pour donner de la vie. Hein. Vraiment. Carrément, ouais. Carrément. Et j'ai Lise Martegoutte qui nous dit oui, on a déjà vu les émissions avec Caroline. Et Lise, je la reçois la semaine prochaine. Et on D'accord. va parler animation aussi, parce qu'elle elle travaille en technicienne d'animation et elle réalise des turns, des rigs et tout ça. Donc ah, cool. Elle va nous montrer un petit peu tout ça. Pareil dans Animate encore. Oui, bah oui, Animate, c'est un logiciel qui sert encore pas mal en prod, quoi. C'est clair, c'est clair. Qui a vraiment été retourné, avant c'était Flash, qui a vraiment été retourné sur l'animation et qui a de plus en plus d'outils pour faciliter la vie. Alors j'ai pas touché encore la dernière version, donc tu auras certainement des choses à montrer au fur et à mesure, mais ne serait-ce que l'arrivée du parentage, ça a été, c'était un des trucs qui manquait, je pense, par rapport à After Effects. Oui. Et ça fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, évidemment, tout ce qui est le sélecteur d'images, mais ça, on regardera ça en détail, qui existait avant sur des plugins externes et qui a été réintégré. Exactement. Et là, c'est une. Enfin, moi, ça, il m'éclate beaucoup. J'aime beaucoup la manière dont ça fonctionne. Ils ont retravaillé. Alors, je sais pas si toi, tu as eu besoin de t'en servir en plus du sélecteur d'images. Ils ont travaillé la synchronisation labiale. Non, j'ai pas encore utilisé depuis, mais parce que je pense que quand j'ai fait ce que je vais vous montrer, quand j'ai fait le test d'animation, c'était juste avant mon congé maternité, donc en 2019. Mm-hmm. C'était dans un autre monde. je suis pas sûre qu'il y avait encore à ce moment-là la synchronisation labiale. En tout cas, je la connaissais pas. J'ai pas. Et puis j'en ai. Ça va. En fait, le lip-sync, ça peut aller assez vite. Ouais, quand tu sais exactement où tu te trouves et quand c'est toi qui maîtrises le texte, je dirais. Je pense que là, on l'a vu. J'ai fait un bout de démo justement sur l'outil ces dernières semaines. Et ce que j'avais rajouté, c'était justement l'idée de si t'as besoin de faire de la traduction. Enfin, si t'as plusieurs voix arrivent au fur et à mesure dans une production, t'es content d'avoir un outil qui le fait plutôt que de devoir redemander. Même sur de la prod, même sur de la prod, quand tu dois sortir des quotas, là pour un test où c'était un test de 20 secondes, il n'y avait pas forcément besoin. Et puis surtout qu'il y a 2-3 bouches en gros. Enfin, vous verrez, c'est pas très poussé en termes de différentes bouches. Il s'agit d'une cigogne qui parle. Donc voilà, mais effectivement, quand t'es sur un film, ça peut faire gagner du temps, quitte à le retoucher dans un deuxième temps. Après, si t'es pas tout à fait satisfait, mais ça permet d'avoir une base. Oui, de rendre crédible peut-être, crédible et vivant, et se rendre compte du rythme aussi. Ouais. J'ai vu qu'il y avait ça commençait à être animé aussi par chez toi. Est-ce que tu veux qu'on passe justement à ce que tu m'as partagé tout à l'heure, donc les tests et le Noël des animaux, ou est-ce que tu veux se mettre dans le cambouis? Oui, si tu veux, oui, clairement. Alors, dis-moi, est-ce que je partage la vidéo d'abord, ou est-ce que tu veux... Alors, tu peux partager la vidéo, peut-être Noël des animaux. Noël des animaux pour MP4, okay. Peut-être. Ouais, je vais faire ça. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un test d'animation que j'ai réalisé pour un projet de long métrage, qui est en fait c'est un long métrage qui est divisé en 5 segments, et chaque segment est réalisé par une réalisatrice différente. Moi, j'en réalise un qui s'appelle Le déménagement du Père Noël. Et entre chaque segment, il y a une autre réalisatrice qui intervient pour faire des liens entre chaque segment. Et c'est vraiment un super projet. En plus, 6 réalisatrices qui s'adressent aux tout petits, mais avec des techniques assez différentes d'un film à l'autre.
en animation 2D. Il y en a qui sont en papier découpé, d'autres qui sont en animation plus cut-out. Enfin, plus digital, mais cut-out. Je crois qu'il y a de l'anime tradi, un peu aquarellé. Moi, ça va être de l'animation dans Flash, dans Animate, finalement. Mais avec des personnages que je prépare dans Photoshop pour garder les textures, pour avoir quelque chose d'assez texturé avec des petits détails très dessinés, puis des motifs qui seront plus faciles à gérer sur du pantin un peu sophistiqué. Cool, très bien. Ce projet est produit par les Valseurs, et on a un super compositeur qui vient de rejoindre le projet qui s'appelle Pablo Pico, qui a fait notamment la musique d'un long métrage qui s'appelle Marona. Et du dernier film de Benoît Chieux qui s'appelle Cœur fondant. Si vous avez l'occasion de le voir en ligne, c'est vraiment un super film. Écoute, je te propose d'abord de partager la vidéo. Voilà. Hop, je partage. Si tu regardes en même temps que nous, tu pourras commenter. Tac, c'est lancé chez nous. Okay. Le test du Noël des animaux. Et donc là, vous voyez les 6 réalisatrices. Oui. Donc là, le premier, c'est des petits essais que j'avais fait avant sur Photoshop. J'avais commencé à tester dans Photoshop au début l'animation sur mon film, mais ça prend du temps, et puis c'est super chouette Photoshop pour faire des animations courtes. Mmh. Après, quand on gère des choses plus longues, des projets plus lourds, les fichiers deviennent quand même difficiles à gérer. Mmh. Et donc ensuite, j'ai fait ce test là que vous voyez maintenant, qui est lui fait dans Animate, mais en essayant de garder vraiment les mêmes textures, en utilisant à la fois des pantins découpés, mais aussi pas mal de remplacements avec plein d'éléments différents sur les ailes, sur les barbes, des choses comme ça. Ensuite, ça, c'est un projet de Jaylan, qui lui est fait dans TV Paint, je crois, avec des textures à l'aquarelle qu'elle utilise. Voilà, c'est des tests, hein, donc il y a... On est toutes en train de tester encore des choses. C'est pour un peu vendre le projet qu'on a fait ça, mais aussi pour commencer à réfléchir à comment on allait mettre en place l'animation chacune. À la fois l'animation, puis la succession des projets, ou tout était aussi, déjà écrit avant de lancer ça ? Non, les projets, ils ont été écrits en parallèle, et on va probablement, d'ailleurs, on s'est dit qu'on allait travailler aussi sur des couleurs qui allaient revenir d'un projet à l'autre. Il y aura peut-être des personnages qui reviendront d'un projet à l'autre. Ça, c'est Olesia. Qui est une réalisatrice russe qui fait des choses. Enfin, toutes les réalisatrices de ce projet font des trucs super, donc j'aime beaucoup le travail. Et elle travaille dans l'animate aussi, je pense. Là, c'est Camille qui fait du papier découpé. Elle, c'est au banc titre. Donc voilà, encore une autre technique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment vraiment envie de tester aussi de mon côté. J'en ai fait un peu pendant le confinement avec ma fille. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer dans un prochain projet, peut-être, ou juste pour le fun, quoi, pour m'amuser. Ça demande beaucoup de temps. Ouais, c'est ça le truc, c'est que chaque technique prend un temps particulier. Énormément de temps. Et il y a encore Aruna qui n'a pas posté, qui n'y a pas le test d'Aruna, mais c'est la réalisatrice de la série Miru Miru. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça ne me dit rien comme ça. Miru Miru. Super. Miru Miru, M-I-R-U, M-I-R-U. D'accord. C'est une réalisatrice japonaise qui a fait cette série avec le studio Folle Image, avec qui j'ai fait mon court-métrage au pays de l'aurore boréale. Et voilà, donc je pense que ça va être un peu dans cet esprit-là. Son film, ça va être vraiment très drôle et très, très... Elle a un côté drôle et touchant en même temps, et un peu surréaliste, je dirais, avec ses personnages. Donc ouais, ça va être un projet qui va être à la fois divers, mais c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de faire un long métrage avec des écritures différentes, et en même temps qui sont un peu de la même famille. Et puis tous les chapitres tournent autour des animaux, et il y aura des personnages qui reviendront probablement d'un chapitre à l'autre. Bon, c'est un projet, voilà, c'est encore à l'étape de projet. On espère pouvoir commencer la production cet été ou à l'automne. Mais bon, c'est vrai que en ce moment, c'est compliqué, le cinéma à financer, ouais. Ouais, c'est pas le Covid pas aidé les choses. Tu m'étonnes, ouais, non, c'est clair que c'est quelque chose de pas simple. Je vous ai partagé le lien de Miru Miru chez Folle Image, parce que du coup je l'avais sous la main, en allant chercher un petit peu. Et puis ça du coup, tout ce que tu nous as montré là dans ces premiers tests, c'est des trucs, c'est plus ou moins une exclusivité, parce que c'est pas encore sorti, il y a pas encore toutes les bandes annonces, c'est tout. Donc, exactement, que vous avez apprécié. Parce que c'est des tests qu'on montre pour les dossiers de financement,
Donc voilà, on a participé au Cartoon Movie en 2000, faut, je vais dire une bêtise, je sais plus si c'était 2017 ou 2018. Et du coup, il y avait une autre bande-annonce qui avait été faite à ce moment-là. Je ne sais pas si elle a été trop partagée non plus, avec des tests, les premiers tests que j'avais fait dans Photoshop. Mais depuis, on a vraiment eu, comme on a eu pas mal d'aide au développement, on a tout pu passer un peu de temps pour faire un test un peu plus poussé sur nos films. Carrément. Alors, je vais peut-être partager ton écran du coup parce que tu nous as mis autre chose. Et ce autre chose, Attends, je vais commencer. les gens qui ont suivi les sessions devraient le reconnaître un petit peu parce qu'on les a déjà vus ici. Est-ce qu'elle a soigné son vilain rhume, cette cigogne? Oui, j'étais venue pour faire un petit test d'anime justement sur le projet au moment où je faisais des tests dans Photoshop. Eh ben, elle a soigné son vilain rhume. Non, parce qu'elle provoque toujours en éternuant. Le décollement du petit morceau de banquise sur lequel est le Père Noël. Donc voilà, en gros là c'est donc on a bah, j'ai comme on a fait on est parti sur des line-up de personnages. Donc là j'avais vraiment envie tra j'ai travaillé avec des textures à la fois des les textures des broches hein, dans Photoshop hein, qu'on peut voir ici, qu'on voit mieux en gros plan et aussi les textures qui viennent s'ajouter du carton que j'ai je sais plus si ça c'est du que De la j'ai dû photo, trouver du sur Internet ouais, de scan. la photo voilà du scan pour venir à ajouter la texture. L'idée étant de garder vraiment un look très livre pour enfant, enfin exactement ce que je ferais si c'était du livre pour enfant. Donc de ne pas faire moins de détails. Bon après j'ai pas un dessin qui est ultra détaillé forcément, mais ne pas s'empêcher d'avoir tous les petits traits, les petits détails que j'ai envie de mettre pour me faire plaisir. Et du coup, voilà, donc ça c'est au début du film. À la fin du film, après toutes les aventures, ça il se passe. Il s'en passe des choses, donc voilà comment il termine. Bon, j'ai travaillé un peu les différentes tenues, l'évolution des différentes tenues, par exemple Du Père du Noël. Père Noël, avec Hélène, qui est venue travailler avec moi comme stagiaire cet été, enfin, l'été où j'avais fait le test, qui avait des super idées sur les tenues et les motifs du Père Noël. Voilà, bon, ça c'était les premiers posings que j'avais fait des personnages pour voir un peu comment ils bougeaient. Donc le Père Noël, la cigogne qui éternue, effectivement. Qui éternue, et à chaque fois avec des objets différents, avec Ouais. des mises en situation pour que tu te rendes compte quand ton Voilà. personnage a les bras trop courts ou pas. Exactement. Là, c'était son évolution au fur et à mesure, possiblement. Ça c'est la Jeanne la renarde qui a une force surhumaine. Mais qui essaie de le cacher un peu, qui a envie d'être tranquille, qu'on lui foute la paix, et elle est bien contente que d'être toute seule sur son morceau de glace à la dérive et que le soleil, ça chauffe de plus en plus, donc elle en profite, mais finalement, au bout d'un moment, ben, elle va quand même les aider parce que c'est quand même, en fait, le morceau de glace sur lequel ils sont va fondre de plus en plus, et du coup, ils vont plus avoir trop le choix. C'est très malheureux et très d'actualité tout Et ça. voilà, et attends, ouais, exactement, c'est très d'accord. Bah, effectivement, de toute façon, c'est. Ouais. Et donc, après, j'ai fait. Ce qui est important, c'est de faire des posings aussi, voir comment les personnages réagissent ensemble. Donc, faire des posings à deux ou trois personnages. Je trouve que c'est toujours vraiment bien. Puis, ça permet de voir un peu les interactions entre les personnages, les échelles aussi, si ça fonctionne ou pas. Donc, voilà. Donc, à partir de là, j'avais mes personnages et j'ai commencé à préparer pour le test d'animation, à les découper, à faire un pantin, mais avec des éléments de Photoshop. Alors, quand tu dis découper et faire un pantin, pour ceux à qui ça parle pas, ça veut dire que chaque morceau de bras, de main, de jambe va être sur son propre calque. Voilà, ben on va regarder ça tout de suite avec la cigogne. Donc là, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez tous mes calques. Hop. Donc on a par exemple. Alors j'avais une référence de mug. Hein, que j'ai. On a une bouche qui siffle, qui est toute seule sur son calque. Après, on a le chapeau, le devant du chapeau, le sourcil qui est séparé, le trait du chapeau. Là, j'ai pas mal de bouches. J'ai différentes bouches qui sont dessinées, mais ça c'est sur le trois quarts du bec d'ailleurs. Le bec de trois quarts, parce qu'il est mon bec. Quand elle a besoin de tourner, non? J'ai pas caché les bons. Ouais. Ouais. Voilà, ouais, toutes les bouches. La joie des centaines de calques. C'est ça. Surtout que les yeux sont pas dans le bon sens. Donc les yeux, pareil, j'ai plein de.
L'œil fermé. Tac. Œil ouvert. Pourquoi j'ai plein de copies? L'œil fermé. L'œil à demi fermé. L'œil ouvert mais un peu joyeux. L'œil ouvert mais un petit peu fermé vers le bas. Voilà. Enfin, et Et de toute pour façon. chaque personnage, tu dois décomposer de cette manière-là, Ouais. tu dois arriver dans ce niveau de détail par rapport aux expressions et par rapport aux besoins, quoi, sur... Exactement. Et puis en plus, je rajoute, je redessine au fur et à mesure. Je viens compléter au fur et à mesure de mon animation s'il manque des éléments. C'est sûr qu'en le faisant dans Photoshop, par exemple, là, j'ai des têtes. Voilà, si je veux, j'essaie d'avoir des formes de têtes différentes, mais je pourrais en rajouter. Après, ce qui est bien dans Flash que j'ai utilisé quand j'avais besoin de faire des inters là-dessus, c'était les La pins. marionnette. Ah oui, Voilà, les... l'outil marionnette, exactement, pour de déformation. Sur des petites déformations, mais sinon, je venais recréer les éléments que j'avais besoin, je les réimportais au fur et à mesure dans mon build, dans After Effects. Dans Animate. C'est marrant d'ailleurs, on sent que tu t'hésites à chaque fois entre Flash, Animate, After Effects, Ouais, Photoshop et ben, tout. en tout cas, Flash, Animate, ben oui, j'ai travaillé tellement longtemps dans Flash, j'ai commencé à faire du Flash quand j'étais aux Arts Déco, ça devait être en 2000-2001, quelque chose comme ça. Donc, et Photoshop, j'ai commencé à l'utiliser en 94, je crois, donc 95. Donc forcément, ben oui. Bon, toi, j'imagine que ça fait aussi. Ça Mais fait à peu près Photoshop, j'ai cette époque-là. commencé étant adolescente, donc ce qui n'était pas fréquent à l'époque, mais j'avais un club informatique dans un cybercafé. Un cybercafé de mon oncle, il avait fait venir quelqu'un qui nous donnait des cours à moi et un copain. Le Classe. copain en question, et c'est Benjamin Lacombe qui maintenant est Ok. un illustrateur ultra ultra connu. Ouais, ça va, vous en sortez bien en termes de Ah ben copains. lui surtout, ouais. Et d'ailleurs, t'as le bonjour de Mathieu Colombel qui a dit qu'il fasse un Ah petit oui, bonjour. Tu avais dit qu'il cool. ferait un crochet par ici. Bah ouais, Mathieu qui m'avait fait venir parler, présenter mon film Motion Motion À Nantes, il y a en 2 ans. deux, ouais, il y a 2 ans, 2019. Parce que j'étais enceinte déjà. Donc voilà, pour les ailes, c'est pareil, hein. Il y a plein d'ailes, plein de formes d'ailes différentes. Tac, tac. Voilà, le corps, pareil, j'ai fait différentes formes de corps en fonction de ce dont j'avais besoin. La queue aussi, je pense. Enfin, l'idée, c'était pas que de faire un. C'était de pouvoir, en utilisant le remplacement, de donner une forme de. Quand même, une sorte de souplesse. C'est pas de l'anime tradi, mais d'avoir un quand même plus d'éléments, enfin de pas être limité, de pouvoir se dire qu'on peut, comme c'est un segment d'un long métrage, c'est quand même pas forcément, on va pas être sur le même type de quota que sur de la série, donc on peut aller un peu plus dans les détails sur le pantin et se faire plaisir. Ça permet d'animer plus rapidement, mais en même temps on peut vraiment rentrer un peu dans les détails sur les différents éléments. J'ai une question de bref de jeu qui me Ouais. dit, Caroline, est-ce que vous passez aussi par After Effects pour affiner les animations, ou alors tout se fait dans Animate? Ah non, l'animation se fait dans Animate. Par contre, après, je fais du compositing dans After Effects pour ajouter les textures, par exemple la texture de carton que j'ai mis, ou pour rajouter tout ce qui est le travail des lumières. Et puis il y a dans la scène, bah, je sais pas si on peut, si tu veux remontrer le petit test aussi après. Il y a une espèce de fumée qui vient. Ça a été, elle a, ça au début je voulais l'animer en tradi, mais c'était galère, et finalement je l'ai animé dans After Effects avec des formes sur lesquelles j'ai mis du fondu et un peu d'opacité. Alors, est-ce que tu veux que je montre ce test-là, hein? Ouais. Alors, attention, je le lance en même temps que toi. Je crois qu'il y a du son dessus, hein, c'est ça que tu m'avais dit tout Oui, à il y a l'heure. du son, il y a des petites voix qu'on avait fait. C'était un test rapide, mais sur les voix, c'est des voix maquettes, hein, c'est juste pour donner l'ambiance, quoi. Alors c'est parti. La fameuse Donc fumée. voilà, cette fumée-là qui arrive, c'est une shape dans After, Bonjour Père Noël! Une sur laquelle petite tasse? J'ai mis en mode fondu avec un peu d'opacité et un peu de. Comment ça s'appelle? De grains, de bruit. Oui, non, ça c'est le. Ouais, un peu. C'est le mode fondu, je pense, qui donne tout le grain, mais c'est plus que j'ai mis un. Tu sais, quand tu fais une forme en vectoriel, tu peux lui dire de Un déborder un contour peu progressif. en un contour progressif. Exactement. Le contour progressif plus le fondu donne cette impression de fumée, en fait. Je sais pas si j'ai mis un masque à l'intérieur aussi pour donner plus de fondu. Non, je pense pas. Voilà, je pense que juste ça suffit à donner ce que je voulais.
Ouais, ça marche tellement bien. Et du coup, donc, effectivement, Et il y a après, le... je l'ai réanimée, je vous montrerai ça dans After, mais elle était, après, j'ai refait en sorte qu'elle soit animée à 12 images secondes et pas à 24 images secondes pour que ça fonctionne avec le reste, avec les personnages, quoi. Je crois que j'ai fait un truc comme ça. Y a Jude qui nous dit, c'est si mignon. Et tout ce qui est les ombres et les lumières sur les personnages, ça c'est ensuite ajouté dans After Effects. Et je découpe un peu, parfois j'ai besoin de redécouper des éléments dans Flash pour pouvoir revenir mettre des lights sur les bras, par exemple, s'il y a des choses que je dois séparer. Donc ça, il y a quand même un travail de compositing qui est pas négligeable dans After. Carrément, carrément, carrément. Fifi nous dit les VFX dans After, c'est top. Je suis assez Ouais. d'accord. Ouais, en général, dans tous mes films, ça se termine dans After de toute façon, bah parce que c'est le logiciel que j'ai l'habitude d'utiliser. Et même si c'est quelqu'un d'autre qui fait le compositing, au moins comme ça, je peux, s'il y a besoin de faire des corrections ou de dire ce qui ne va pas, je sais à peu près de quoi je parle. Alors, non, parce qu'il y a des techniciens, il y a des gens qui font du compositing, c'est leur métier, qui sont encore plus pointus que moi. Par exemple, Izutron qui a fait le compositing d'Aurore Boréale, qui était plus pointu que moi sur certaines choses. Mais je sais au moins, voilà. Et puis comme il y avait besoin que je fasse des plans aux 6 mois, c'était plus facile, quoi. Donc, je trouve que quand on réalise des films et tout, même si on n'est pas le plus grand technicien du monde, c'est toujours bien de savoir. Je pourrais pas, par exemple, réaliser des films en 3D parce que je connais pas les logiciels, je connais pas le vocabulaire, je connais pas la façon dont ça fonctionne. Et j'ai besoin quand même de savoir à peu près ce que je dis aux animateurs avec lesquels je travaille. Voilà. Alors ça va d'ailleurs peut-être reprendre une question de Razia qui nous disait, comment fais-tu pour évaluer de façon réaliste le temps que ça va prendre? Oh là là, ça c'est difficile. Ben, il y a l'expérience, il y a quand même les chargés de production qui sont là pour aider aussi. Et puis après, c'est pas compliqué, hein, il y a le budget qui va décider de combien de temps on a pour les animateurs. C'est le nerf de la guerre, hein, c'est le budget. Donc en fonction du budget, simplement, il y a une somme d'argent qui va être attribuée à l'animation. On va diviser ça par le coût d'un animateur. Il y a des conventions collectives, donc on sait à peu près ce que ça coûte. On divise ça par un nombre de jours d'animateur. On divise la durée du film avec le nombre de jours d'animateur et on sait à peu près quels sont les quotas. Donc, par exemple, s'il doit faire 3 secondes par jour, 4 secondes par jour ou plus. Et sur une technique comme ça, en ayant le je pense qu'en prenant son temps, en ayant le temps d'être dans les détails et tout, on est sur 3-4 secondes par jour, on est confortable. Par exemple, sur Au pays de l'aurore boréale, les animateurs, c'était tendu, ils devaient faire 3 secondes et demie par jour d'animation clean, pas en couleur. C'est de l'anime tradi d'Anthill Paint. Et donc là, mais ils ont À la réussi, ils ont main. même fini avec une semaine d'avance. Pas mal. Qui nous a servi pour la couleur, parce que là, on n'avait pas assez de temps pour la couleur. Donc, pour le coup, il y avait un gros, gros travail sur la couleur. Voilà. Donc après, c'est compliqué, c'est toujours au pifomètre. Puis, on ne sait jamais, voilà, s'il se passe quelque chose comme. Il y a des éléments extérieurs. Bien Quelqu'un qui sûr. tombe malade, enfin. Oui, Et il et faut alors, faire. mais par contre, tu me confirmes qu'a priori, quand vous êtes à la phase où tu as vraiment les équipes d'animateurs engagées et autres, toute la partie story, animatique, etc., est déjà verrouillée pour éviter justement les mauvaises surprises en termes de temps, à peu près. Normalement. Après, t'es pas à l'abri de toujours avoir. Tu fais toujours des petites retouches. Bien sûr. Ne serait-ce que parce que tu dis, ben, finalement, on va être quand même juste au niveau animation. Est-ce qu'on peut pas couper un petit peu encore, tu vois, pour gagner du temps, des certains plans. Est-ce que tu et puis tu te rends compte, plus tu as du recul sur ton film, plus tu te rends compte de choses qui finalement te semblaient. Tu disais ouais, ça va passer. Puis en fait, si tu dis ouais, ça va passer, mais t'es pas Mais ouais, convaincu. t'es pas convaincu, tu vas avoir du mal En à le re-regarder général. après. En général, non, mais en général, tu vas te rendre compte que ça va pas marcher. Donc voilà, il y a toujours des petits trucs, mais quand même, oui, le gros de l'animatique est verrouillé. En tout cas, moi, je commence jamais l'animation sans avoir une animatique qui me satisfasse. Après, évidemment, il y a toujours des petites retouches, peut-être. Surtout que ce que je fais quand je suis sur une prod, comme je fais pas forcément de l'animation tout le temps sur la prod, je mets tous les jours ou tous les 2 jours, je viens rajouter les plans qui sont finis dans le montage à la place des plans d'animation. Ouais, comme Ça me ça, permet de t'as regarder toujours une les. version Ouais. un monstre qui fonctionne. Voilà, ça me permet aussi de voir s'il y a des raccords entre deux plans qui fonctionnent pas,
des choses qui marchent à l'animatique, mais quand on est vraiment dans l'animation, bah, il faut rajouter un petit mouvement pour raccorder avec le plan suivant, parce qu'il y a une incohérence ou voilà. Il y a D'accord. toujours des petites choses. C'est bien de vérifier, de ne pas se rendre compte de ça à la fin et de refaire faire aux animateurs alors qu'ils sont censés avoir fini de bosser. Ouais, c'est ça. Puis surtout quand ils sont encore dans l'ambiance d'un des plans, dans les, Ouais. dans la direction sur un personnage ou autre. Et après, l'avantage, c'est que quand tu connais les logiciels d'anime, quand tu sais dans quoi ils travaillent et le faire, ben, parfois, je reprenais moi directement les plans quand il s'agissait de refaire baisser un peu la main pour qu'elle soit raccord sur le plan d'après. Plutôt que d'embêter les animateurs, je le faisais directement, quoi. Oui, ça leur permettait eux de se focaliser sur ce qu'ils Sur avaient, la suite, ouais. en cours, ouais, sur la suite. Bref, John nous dit d'ailleurs, est-ce que tu te fais aider pour cette phase de compo ou est-ce que tu prends en charge l'ensemble des postes de production? Non, non, ça dépend. Pour le compo, je me fais aider. Si y a le budget pour, je me fais aider. Je vais juste ouvrir. Je sais pas si on a mon écran qui est partagé encore. Je vais. On peut maintenant, on peut y Ok, retourner. juste ouvrir du coup Animate après pour revenir sur le personnage. Mais je vais. Mais oui, ben quand on peut, j'aime bien me faire aider. Moi, ce que oui, parce qu'il faut toujours arriver à avoir un œil sur l'ensemble du film. Et c'est vrai que si en plus tu fais tout le temps, tu fais toute l'animation, tous les différents trucs tout seul, ça permet pas forcément d'avoir un regard un peu extérieur et de te rendre compte de ce qui marche, ce qui marche pas, puis de dire ah ben attention, on va être en retard, attention, enfin faire le travail de réalisation quand même. Il y a des choses que j'aime bien faire, par exemple le storyboard, l'animatique, ça de toute façon, même si mais je me suis fait aider aussi sur mon dernier film, on était deux au storyboard et à l'animatique, et c'était bien aussi. Ouais, de En pouvoir fait, d'avoir un regard extérieur dessus et toujours, de exactement. ouais, bah c'est d'ailleurs aussi, enfin on s'en rend assez vite compte, tu démarres en étant généraliste avec plein d'envies, plein d'idées, mais parfois avoir un spécialiste à côté qui fait juste abattre le travail, ça peut Oui, ou pas qu'abattre le travail, qui est force de proposition aussi. En ça... fait, il va amener une plus-value sur ton projet. Quand j'ai travaillé avec le storyboard, sur le storyboard avec Pablo Cortés, qui était un de mes anciens étudiants, lui, il a une vision qui est très différente de la mise en scène de moi, qui va plus voir en perspective, en 3D et tout. Et du coup, ça a amené quelque chose un peu différent et c'était mieux quoi. Enfin, avec ses plans, avec sa façon de mettre en scène à lui. Et moi, je devais aussi le calmer pour à l'inverse pour pas faire des choses trop compliquées à faire en 2D. Mais du coup, ça permettait moi de me sortir de ma zone de confort de mise en scène et ça me forçait même sur mes scènes à moi à refaire aussi, à revoir aussi ma façon de mettre en scène quoi. Donc quand ça apporte de la plus-value, c'est cool. Quand les animateurs qui sont force de proposition qui vont insuffler la vie au personnage et des petits gestes auxquels j'aurais pas forcément pensé, parce que moi j'ai fait une école d'animation, enfin j'ai fait une formation en animation, j'ai fait les Arts Déco de Paris en animation, mais c'était une formation qui n'était pas très axée technique, qui était vraiment axée sur la réalisation, la direction artistique. Comprendre le mouvement et le récit, quoi. Plus que... Oui, mais vraiment penser à un projet dans son ensemble et on a exploré plein de techniques d'animation différentes, mais très rapide, assez rapidement en fait. Et on est plus là pour réfléchir à des idées. Enfin, on a plus appris à réfléchir à des idées, résoudre des problématiques, que être vraiment dans la technique et tout ce qui était technique. Finalement, on l'apprenait nous-mêmes un peu plus à côté. Mais moi, ça me convenait très bien comme étude. Mais Comme... après, c'est vrai que en sortant d'école, quand j'ai été travailler dans un studio d'animation où je suis restée 2 semaines en gros comme technicienne, j'avais pas le background technique. Pour travailler comme technicienne, comme assistante animatrice, ça allait pas en fait. Ouais, tu J'étais sentais trop qu'il te manquait lente. la, qu'il te Et manquait puis le rythme. ça me motivait pas en fait. C'est pas ce que j'avais envie de faire. Donc je suis sortie de là et puis je me suis lancée en freelance et ça s'est très bien passé. Petit à petit, j'ai pu faire mes films, des commandes, des choses comme ça, mais dans mon style, c'était vraiment plus ce que j'avais envie de faire. Après, c'est pas offert à tout le monde de faire ça. Oui, puis il y a J'ai eu de beaucoup la de chance. patience, il y a beaucoup de... Beaucoup Parce de que boulot. c'est clair. Très très Donc voilà, clair. donc pour revenir à la façon. Donc après, la première chose que je fais, c'est que je fais un fichier de build en général. Surtout que là, c'est pour un test. Mais l'idée sur un court-métrage ou sur une série ou sur un pilote ou n'importe quoi, c'est que le personnage, après, on puisse le réutiliser dans différents plans d'animation. Dans toutes les situations, que tu puisses le Voilà. mettre sur la neige, dans la maison. Exactement. Une fois qu'il est buildé, je peux le prendre, je peux faire une pause à partir de ce build pour le donner aux animateurs
Donc bah là, vous voyez sur le côté, hein, j'ai tous mes calques qui sont bien nommés. Donc en fait, à chaque fois, c'est des graphiques. Est-ce qu'on a les propriétés? C'est des graphiques qui sont. On ne voit pas le bout de ma. Ça s'est un peu bougé. Normalement, si vous cherchez le pourquoi du comment dans Animate, dans la session qu'on avait fait sur l'animation en début d'année, on avait justement détaillé la grosse différence entre le entre fameux les movie graphiques et clip, clips. ouais, les movie clips qui sont interactifs, et les Voilà. graphiques qui te permettent de rentrer image par image dans l'animation. En fait, il y a trois façons de jouer un graphique. On peut le jouer. Est-ce qu'on le voit là d'ailleurs? On ne voit pas trop. Hop, pourtant. On voit plus, je sais pas où c'est du coup. Maintenant, ça a peut-être bougé d'ailleurs. Tu peux soit lire en boucle, Ouais. c'est peut-être c'est Alors il ici faut que soit. tu sois, ouais, il faut que tu sois sur le graphique et dans les propriétés, et que tu sois bien sur le calque. Oui, je suis dans les propriétés, je suis sur le calque. Et ici, je sais pas si. Soit lire en boucle, soit lire une fois, soit s'arrêter sur une image en gros. Tout à fait. Et c'est dans lecture en boucle. Et là, je pense que maintenant, c'est des petites icônes, ça c'est nouveau, je pense, qui disent si on Ouais, lit en ils boucle. ont essayé justement de Lire le simplifier le graphique en workflow. boucle, donc lire le graphique en boucle, lire le graphique une fois, lire une seule image, le lire en sens inverse et le lire en boucle en sens inverse. On peut choisir en fait comment le graphique va être lu. Alors ce qui est bien, moi je les mets de base tous en être sur une seule image, parce que du coup après on peut venir sélectionner les images. Bon là en l'occurrence, hop, mon sélecteur d'image qui va sur l'autre écran. En l'occurrence là j'ai pas grand-chose dedans, mais par exemple sur mes yeux, une fois que je me mets en sélecteur d'image, vous voyez que j'ai à l'intérieur de mon symbole, j'ai toutes mes différentes images d'yeux qui Les sont mises à expressions l'intérieur. de ses yeux, quoi. Tac, 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 voilà. Et en fait, en le mettant en lecture une seule image, je vais pouvoir venir après ben, créer une autre. Alors, les raccourcis ne marchent pas. Venir créer. Non, pas une image clé vide d'ailleurs. Insérer une image, tout simplement. Et si je me mets sur cette image-là, je vais lui dire de sélectionner cette image, vous voyez. Et donc là, dans ma timeline, il m'a créé une clé et j'ai l'image que j'ai sélectionnée. Si je crée un blink, et ben ici je vais créer l'œil demi-ouvert. L'œil fermé et retrouver Hop, le truc. ouais, Ouais. on va rajouter. On va lui mettre des bouts de corps quand même. Ouais. Donc s'il veut bien lire, il ne veut pas lire. Ah si, c'est comme ça. Bon là, ah oui, là il n'est pas en image, il n'est pas en lecture une seule fois, du coup. Il doit être en lecture en boucle par défaut, peut-être. Ouais, mais normalement normalement je les mets tous. Bon, si je mets comme ça va. Fifi nous demande si tu fais ce build sur le premier symbole. Sur le premier symbole, oui, mais en fait, c'est encore mieux de le mettre à l'intérieur d'un autre symbole pour pouvoir importer directement un autre symbole. Ce qu'il faut faire vachement attention aussi, c'est à bien nommer tout ces calques. Il y a juste les images bitmap, ça c'est mes importations, mais sinon tout est nommé. Pourquoi? Parce que si j'importe plusieurs personnages dans la même scène, s'ils sont pas nommés, il va y avoir des symboles qui vont porter le même nom peut-être, Ouais, tu et risques ça de te va créer des mélanger. conflits. Tu Ça vas va te créer des retrouver avec conflits. une cigogne qui a un bras de Père Noël. Voilà. Et d'ailleurs, ce que je fais en général, c'est que même je les mets dans un dossier. Je crois qu'une fois que j'ai est-ce que j'ai? Je pense que voilà, j'essaie de les mettre tant que faire dans des dossiers, de bien nommer mes bibliothèques quand même. Donc là c'est bah, typiquement, j'ai importé dans ma scène. Là, c'est ma scène d'animation. C'est entré, hein, je crois, dans le pour jouer. Ouais, maintenant oui. Alors c'est un peu petit, hein. On peut le mettre en un peu plus grand. Pour voir tout, on est en 35. C'est une image. Voilà. Donc là, même la porte, hein, je l'ai animée dans Flash. Bon, alors ça lague un peu, hein, je suis désolée. Je pense que ça permet de toute façon de se. Voilà, de se rendre compte. Alors Donc d'ailleurs, j'ai. cette problématique de lag, justement, est-ce que Ouais. toi, c'est du coup, tu te fais un export exprès pour pouvoir te rendre compte de temps en temps ou c'est. Non, là c'est parce que j'ai beaucoup de choses ouvertes. Normalement, Oui, normalement, je suis en affichage rapide. ouais, d'accord. Je me mets jamais en complet quand je travaille l'animation pour pouvoir lire à vitesse réelle. En général, en D'accord. rapide, ça lit à vitesse réelle. Il y a juste un moment où ça a bloqué, mais. Comme j'ai tous les fichiers, enfin j'ai le After qui est ouvert, j'ai Photoshop avec plein de fichiers, enfin tous les trucs que je voulais vous montrer. Donc, mais normalement, mais par exemple la porte,
Hop, la porte, c'est pareil, hein. J'ai fait toutes les poses de la porte qui sont dessinées dans Photoshop. Et simplement, bah, j'ai utilisé le sélecteur d'image Pour pouvoir les caler, donc ouais, pour les tout. caler. Non, j'ai même pas utilisé le sélecteur d'image. J'ai mis lecture une seule image jusqu'ici. Et là, cette image-là, je lui ai dit de le lire une fois, normalement. Voilà, là, il est en lecture une fois. Et ici, hop, il est en une seule image. Voilà, tout simplement. Et par exemple, là, je pense pas que j'ai pas utilisé la boucle parce que après, je l'ai fait des variations dans la boucle, ne serait-ce que sur les yeux fermés, puis après, voilà, il se tourne. Et le mug, paf. Et le chocolat, par exemple, qui tombe, ça, c'est animé image par image. Enfin, c'est redessiné dans Flash. Alors, c'est ressorti, mais hop, on peut peut-être se mettre un peu plus grand. Parce que du coup, si tu dessines des éléments dans Flash et des éléments dans Photoshop, il y a des moments où tu as des différences sur la texture, sur la matière, Ouais, etc. mais là, franchement, ça À cette se. taille-là, c'est pas gênant. Je trouvais que c'était pas gênant, non. Sur le chocolat chaud qui coule. C'est juste le petit chocolat chaud qui coule, franchement. Surtout qu'après, il y a une texture qui vient par-dessus. Oui, parce Pardon. que après, est-ce que tu vas utiliser ce que tu avais fait à l'époque de Casimiro, justement, la. Du retexturing à la fin sur After Effects ou ça fait pas partie de. Si, si, si. Là, oui, il y a ces textures du retexturing et de la lumière. Et là, vous voyez quand même à cette taille-là, bon, c'est pas non plus ultra choquant la différence. Voilà. C'est vraiment juste les petites gouttes qui tombent Ouais, et qui qui donne reprend de sur toute le Père façon Noël. ce côté Voilà. réel. Mais je crois que sur le Père Noël, par exemple, pour les différentes têtes, donc si je vais dans le Père Noël, si j'arrive à y aller, est-ce qu'il a un masque alors, hop. Voilà. C'est important qu'il ait un masque. Non, mais il y a un masque, il y a le masque de la maison en fait. Ah, Si pardon. je. Hop, on va se remettre 25% pour voir. En fait, le Père Noël, il n'est que derrière le masque de la maison. Sauf pas au début. Quand il est à l'intérieur de la maison, il y a juste la maison qui est devant. Puis après lui, c'était par rapport à la porte en fait, pour quand il sort de la porte, à Alors, partir d'ici. ouais, ceux qui connaissent pas le concept de masque dans Animate, il est super pratique. Et si tu veux voir sous le verre, tu le mets en contour aussi ou Ouais, tu. voilà, oui. Mais si je veux voir ce qui se passe, il faut que je masque, que je bloque, que je lock les deux pour voir comment est-ce qu'il sort du masque. Voilà. Donc en gros, le masque, il fait la forme de la porte pour pas qu'il sorte du masque. Hop, la forme de la porte et puis après tout le reste. Et le bas de la maison, quoi, en gros. Et avant, il est juste simplement, il est sur un calque Père Noël UL ici, il est sur un calque en dessous de la maison. La maison est là. Et après, il est au-dessus de la maison, mais avec un masque. Pouvoir sortir de la maison. C'est un truc que j'aurais pu faire dans After, mais comme j'animais la porte directement dans Animate, je me disais c'était plus simple comme ça. Hop, hop. Et donc là, mon Père Noël, là, j'ai une boucle pour le coup quand il marche. Voilà. Et on va resoumettre à nouveau. Et pareil, le visage à l'intérieur est en boucle. Mais dans chaque partie, ben, j'ai toutes les formes de tête comme ça. J'ai fait plein de formes de tête pour pouvoir. On va encore zoomer parce que c'est pas ultra. Oui, c'est vraiment C'est un peu du détail. petit. Faudra le regarder au cinéma, hein. Vous notez tout dans vos agendas plus Non, tard. mais ouais, ben, j'espère, j'espère. Mais voilà, avec le nez qui bouge, quand il sent, et puis la barbe, les retards sur la barbe. Et je crois qu'il y en a certains, mais je ne sais pas si on le verra. Il y en a certains, j'ai juste bougé avec les pins, avec Avec les punaises de la marionnette. les punaises, hein, ouais. Et je ne sais plus où c'est parce que tout a changé dans Animate. J'ai pas encore ouvert la version 2021, mais Oui, ce que avant tu nous avais dit en c'était. plus, c'est que sur ces tests et sur cette animation, Voilà, c'était c'est là. 2019 déjà. 2019, exactement. C'est par ici, c'est quelque part par là, je crois. C'est là, voilà. Outils, formation, hop. Ouais, pour les gens Normalement. qui aiment bien le workflow d'ailleurs, effectivement, un des gros chantiers sur Animate sur ces dernières années, ça a été de revoir l'interface et notamment bah, de proposer pour les gens qui démarrent carrément une interface plus simplifiée avec moins de petits outils dont on avait besoin avant. Et puis, pour les pros, avoir accès effectivement à un environnement pro avec l'ensemble de sa palette, que tout puisse être
mis en forme différemment. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Alors je regarde, je crois pas que j'ai utilisé là-dessus, parce que maintenant on peut faire du parentage aussi dans Animate. Oui. Je suis pas sûre de l'avoir utilisé parce que parfois ça faisait des trucs qui n'étaient pas forcément voulus. Alors le parentage, ça marche bien, mais effectivement, faut être calé et faut que le personnage soit vraiment bien optimisé. Et depuis peu, non seulement on a du parentage, mais on a aussi du squelettage. Ouais, mais alors ça, le squelettage, moi, c'est pas ma façon d'animer. Enfin, c'est vrai que c'est une technique qui dérive de la 3D, en fait, qu'il y a beaucoup dans After Effects. C'est tout ce qui est la cinématique inverse, du coup, avec le squelettage. Exactement. C'est ça, hein, j'imagine que ça permet de faire ça. Moi, j'ai plus l'habitude de travailler en puppette, venant de qui est plus une technique, et du papier découpé d'animation, donc avec les rotations dans le sens inverse. En gros, quand on va animer en cinématique inverse, on va animer par les bouts. Par exemple, on va bouger la on main va et le bras la main va se et plier. Tout le coude va suivre. Voilà, tout le bras va suivre. Alors qu'à l'inverse, quand on anime en puppet, ben, on va bouger par les points de, par les rotules, quoi. Enfin, en gros, là, par l'épaule, on va faire tourner autour de d'axes, les différents éléments. Voilà. Et vraiment, puisque tu parlais de la marionnette et des punaises, c'est vraiment ce truc-là, c'est comme les attaches parisiennes que tu fais sur un petit pantin en papier. C'est exactement ça, c'est la même technique. Donc moi qui viens de plus un background de 2D, et puis en plus, surtout quand j'étais étudiante, on a vraiment fait on travaillait très peu à l'ordinateur. J'ai fait la colorisation de mon film de fin d'études en numérique, mais tous les dessins étaient faits au pinceau sur papier. Donc c'est vous dire, et puis on avait testé le papier découpé, l'animation sur rouleau de tickets. J'ai fait du pastel sous caméra, on a fait un peu de stop motion. Enfin, vraiment, c'était l'idée de tester plein de techniques, mais ça restait très traditionnel. J'ai fait mes études j'étais entre 2000 et 2004 aux Arts Déco, donc l'ordinateur, c'était pas encore. L'ordinateur, c'était un assistant de prod en fait. C'était un assistant de prod, voilà. C'était pour faire les line tests, pour faire le montage, pour faire la couleur. Évidemment, il y avait des gens qui commençaient à travailler en tout numérique, mais tout ce qui était anime 2D tradi. En tout cas, l'école n'était pas équipée en TV Paint ou des choses comme ça. Quoi. Carrément. J'ai Pierre Munier qui nous dit, qui crie Duic. Oui, Duic, mais c'est quelque chose que j'ai jamais utilisé, Duic, parce que, encore une fois, alors que il faudrait que je m'y forme, il faudrait qu'un jour je prenne le temps de m'y former, mais c'est pas ma façon, c'est pareil, c'est pas la façon que j'ai d'animer, j'ai pas l'habitude d'animer comme ça et ça m'amuse moins. Non, mais j'ai fait de la 3D, enfin, pour le coup, pendant mes études, j'ai fait aussi on était formé en 3D, d'ailleurs, on s'était battu parce que c'était pas automatique en deuxième année pour avoir droit à un cours de 3D dès la deuxième année qu'on avait obtenu et c'était super. En plus, j'avais un prof qui était vraiment super. Qui est Jérôme Boulbès, qui est un réalisateur de courts-métrages de génie, quoi. Maintenant, il travaille comme prof au Japon, à Kyoto, mais je crois qu'il y a encore. Enfin, je m'amusais pas autant. Pourtant, j'avais vraiment très, très envie de tester la 3D, hein. J'avais aucun a priori. Surtout qu'à l'époque, c'était quand même un des domaines où on se disait qu'il y avait du travail plus qu'en 2D. C'est tout. Donc après ça me faisait rire justement de voir la référence vu que Nicolas est venu et intervenu une paire de fois ici. Ah bah ouais, et oui, puis, oui, et puis il continue de mettre à jour ses petits jouets. Mais c'est super ce qu'il fait. Puis il était à Motion l'année où j'ai fait ma. Tout à fait. J'étais intervenu, il y était aussi. Donc non, ce qu'il a fait, c'est super. Enfin, c'est vraiment cool. Ça a permis à plein de gens de se mettre à l'animation aussi, à l'animation 2D qui n'avait pas forcément non plus une forme. Enfin, voilà. Et puis ça fait la passerelle entre la 3D et la 2D. Pour After Effects, c'est vraiment parfait quoi comme façon d'animer. Mais après voilà, on a tous ces façons d'animer de prédilection et moi je préfère animer en puppet quoi. En papier découpé, plus en papier découpé que en squelettage. Tout à fait. Donc une fois que j'ai mis en place, on va peut-être passer sur After. Donc une fois, je sais pas si vous voulez que je rentre plus dans les détails alors, dans Animate, mais j'ai eu une petite question, oui. Plutôt workflow, bref de jeu, qui nous a dit. Alors d'abord, il nous a dit que tu travailles forcément avec des formats vidéo assez grands, 1080 voire plus, en fonction de la diffusion. Oui, bah, 1080 voire 2K, mais j'ai pas travaillé encore plus grand. J'ai jamais travaillé en 4K. D'accord. 2K, ouais. En ce moment, je travaille plutôt en 2K sur les. Tout ce qui est web, c'était plus de 1080. Et puis ciné, 2K. Peut-être que celui-là, vu
Quand on le fera, il sera peut-être fait en 4K, je ne sais pas, on verra. Et après, et il enchaîne justement sur est-ce que toi, tu as des astuces sur l'enregistrement de tous les assets pour l'import dans Animate ou une façon de travailler spécifique qui te permet de travailler correctement et surtout efficacement avec le logiciel? Alors ça, j'ai un peu galéré pour l'importation des assets parce que quand j'ai apporté mon fichier PSD directement tout découpé, c'était pas beau. Enfin, vraiment, il y avait des. Je t'en avais parlé à l'époque, hein, d'ailleurs, je Oui, crois, sur quand j'étais en les train de le transparences dans faire les PNG. sur les transparences dans les PNG. Donc, en fait, j'ai importé mon PSD pour avoir la structure. Comme ça, j'avais déjà tous mes calques qui étaient bien nommés et je pouvais très facilement ensuite recréer mes clips. Parce qu'après, quand on a plusieurs calques, il y a une façon de faire, je crois, en cliquant droit, on peut lui dire de mettre toutes les images dans une seule timeline. Donc, ça me permettait ensuite de créer un graphique avec toutes les images d'un de mes calques. Et ensuite, après, je les ai remplacés main à la main avec des PNG, quoi. D'accord, Ou non, même pas, en faisant des copier-coller depuis Photoshop. Je crois que là, ça marchait. Je faisais directement un copier-coller depuis Photoshop, et là, ça marchait. Ça me faisait des... J'avais plus du tout, du coup, de problème de transparence et tout que j'avais quand j'importais des PSD. Mais c'est pas très pratique. Après, ce qui est bien, du coup, c'est que ça permet de, quand je redessine, pour redessiner des choses après. Parce que par exemple, le Père Noël, au début, on l'avait dessiné avec une chemise hawaïenne comme ça, mais avec des palmiers. Et puis, on s'était dit, enfin, je m'étais dit que c'était, voilà, que c'était pas très cool. C'était dommage qu'il n'y ait pas le thème de Noël. Et du coup, alors que j'avais déjà commencé le build, j'ai changé la chemise pour avoir Et mais alors du plutôt coup, des ouais, motifs de sapin. mais quand tu changes la chemise dans le build, l'animation que tu as déjà entamée, elle n'est pas perdue. Bah non, parce que tout est. J'ai qu'à remplacer. En fait, on peut très facilement modifier des éléments dans Photoshop une fois qu'ils sont mis. Si je me mets là, je ne sais pas sur quoi. Normalement, si je suis à l'intérieur du symbole, je peux aller dans modifier avec. D'accord. Et si je clique dans modifier avec, bon là, il ne me le fait pas automatiquement par Photoshop. Je ne sais pas pourquoi, mais on va le retrouver. Il va peut-être bien vouloir le faire. Non, ouais, ouvrir. Donc il va me l'ouvrir dans Photoshop. Donc par exemple, je vais réépaissir ça. Je fais pomme S. Est-ce que ça l'a. On va voir si ça. Mais normalement, ça l'a mis à jour là. C'est plus épais. Donc si je fais pomme Z, non, ça ne va pas marcher. Mais bon, peu importe, c'est pas grave, je ne sauvegarderai pas. Mais du coup, c'est très facile de changer après, de retravailler. Et voilà. Et ce que je fais par exemple quand je voulais recréer des visages, moi j'utilisais ça, sauf que je sauvegardais pas, je faisais un. Par exemple, si je veux recréer une autre forme de visage, je fais modifier avec Photoshop 2021. Tac. Par exemple, je veux qu'il ait le nez un petit peu encore plus levé. Donc, je fais vite fait, hein, c'est juste pour montrer. Tac. Et ça, je veux que ce soit un peu plus. C'est par là. Bon. Juste ce petit bout. Et ben au lieu de sauvegarder, ce que je faisais, c'était je sélectionne, je fais pomme C, donc là je ferme sans sauvegarder, ne pas enregistrer, et je retournais dans Animate. Je crée une nouvelle image vide. Hein. Pomme V. Est-ce que ça a marché? Il m'a pas fait une image vide, mais bon, il est en train d'importer ma tête, voilà. Et Et je la replace. t'as plus qu'à la caler telle quelle. Voilà. Voilà, puis après, il faudrait bien le recaler, mais au moins, comme ça me permet facilement de faire des différentes instances quand j'ai besoin, qui sont pile à la bonne taille, et qui sont juste des petites modifications. Il y a Myriam qui nous demande si tu as déjà testé Calipeg sur tablette. Non, non, non. En plus, en ce moment, moi, je bosse beaucoup sur tablette quand je suis en déplacement. Et en ce moment, la tablette, elle me sert surtout à regarder des séries. C'est pas mal, ça. Oui, moins de déplacements, moins de tablettes, hein, c'est clair. Ben, c'est clair. Franchement, comme j'ai une Cintiq 27 pouces à la maison, c'est quand même un grand, grand confort pour dessiner. Donc, et puis Photoshop, quoi. Enfin, voilà, j'ai pas besoin. J'utilisais un peu Rough Animator pour faire de l'animation sur iPad. J'ai pas utilisé, je sais que Procreate le fait aussi, mais je suis pas sûre qu'en termes de timeline. Enfin, j'ai des étudiants, comme j'interviens de temps en temps dans des écoles qui travaillent beaucoup dessus.
Mais bon, après, c'est compliqué. Il n'y a pas une vraie timeline d'animation, encore moins que dans Photoshop. Donc, Ouais, donc c'est oui, c'est ça plus pour marche faire des pour gifs animés, du petit quoi. line test. Du petit gif. Non, pour faire des gifs, par exemple, je crois que c'est très bien. J'espère qu'un jour, on aura une version d'animate sur tablette. Eh ben écoute, moi aussi j'espère bien, parce que je trouverais ça cool, je trouverais ça Ce très serait cool. pratique. Ouais, ne serait-ce que pour retoucher des fichiers. C'est ça qui est bien, c'est quand la tablette permet de faire. De retoucher des fichiers en déplacement. Mais c'est vrai que bah, depuis un an, je dessine plus On est trop. plutôt Ouais. tous au bureau, quoi. On est tous à la Ou maison, à au la maison, bureau. ouais. Ouais. Donc, ouais. Et pour Faut le coup. espérer que. Ouais, la dernière fois que j'ai utilisé vraiment la tablette pour bosser, c'est quand j'avais été à Animate, un festival de court-métrage en février 2020. Juste C'était avant. la fin. C'était la Tu fin. savais pas encore, mais c'était la fin. C'était le moment où on profitait sans le Non, savoir. ceci dit, j'ai eu la chance d'aller à une autre conférence en octobre cette année, une des rares où j'étais, mais qui était organisée par la Nef Animation. Et tous les ans, ils font les rencontres professionnelles de l'écriture en animation. Et cette année, on a eu la chance, c'était un peu le moment charnière avant le deuxième confinement où les événements pouvaient encore se tenir. Et c'était vraiment très, très cool de revoir les gens en vrai. Et il n'y a personne qui était contaminé pendant cet événement, et on était 200, quoi. Donc tout le monde portait les masques, c'était une très grande salle, et voilà. Donc c'est des choses qui vont revenir. En tout cas, Charles nous dit Ouais, quel travail de dingue. Merci pour l'explication, on est vraiment dans la Matrix. bah, QB je peux qui nous dit après. tous ces calques et ces images, ça me fascine, mais ça m'angoisse en même temps. Non, mais il faut prendre les choses les unes au fur et à mesure. Enfin, il faut les prendre au fur et à mesure. Faut pas. C'est sûr que si tu commences à te dire. Mais en fait, c'est au début, j'ai pas beaucoup de variants en fait pour chaque élément. Puis au fur et à mesure que j'anime, je me dis, ah bah tiens, il me faudra un Là, œil il comme aurait besoin de ça, un œil ça, comme tu ci, une bouche comme ça. rajoutes. Et je les ajoute très simplement, quoi. Et après, je les ajoute directement dans l'animation d'ailleurs. Et après, je remets à jour dans mon fichier de build les différents nouveaux éléments créés pour être sûr d'avoir toujours un fichier avec tous les éléments comme ça. Plus tu vas avancer dans ton animation dans les différents plans, plus tu auras de possibilités déjà dans le personnage. Là, j'ai fait que un profil pour les personnages parce qu'on avait besoin de les avoir de profil. Mais normalement, quand je travaille sur un film plus complet, j'étais venue montrer comment j'avais travaillé sur Casimilo justement la première fois que j'étais venue te voir. Là, on avait des turns, on avait le personnage qui était buildé de profil, De face, de trois de face, quarts. de trois quarts dos, de trois quarts face et de dos. Et après, en plus, parfois, on avait des posings très spécifiques qu'on buildait. Mais une fois que tu avais déjà ces cinq poses par personnage, il y avait vraiment de quoi faire pas mal de choses, quoi. Et les animateurs, au fur et à mesure, ajoutaient des mains dans la banque de mains. Et puis, ils les donnaient enfin, et on se les refilait tous entre nous, quoi. L'idée, c'était d'alimenter le build hein, pour qu'il y ait de Ouais, plus en plus de que tout le possibilités. monde puisse travailler après, t'as plus qu'à choisir dans ton sélecteur d'images. Voilà, exactement. Donc ça permet de remplacer. Et donc une fois que j'ai fait ça, j'importe directement le SWF. Hein, vous pouvez voir dans la Affer, c'est des SWF. Donc j'importe d'abord le SWF, le FLA, pardon. Carrément le FLA directement dans After Effects. C'est génial, franchement, c'est trop cool, quoi. Plus besoin de faire des exports image par image Ouais, enfin t'étais pas voilà. obligé de prendre tes frames et de tout démonter au fur et à mesure. Non, non, Tu parce qu'il fallait avant, récupères. il fallait réexporter chaque calque les uns après les autres en PNG. Et puis dès qu'il y avait ça allait pas, il fallait réexporter. Ça prenait du temps. Enfin, vraiment là, j'importe directement le fichier. Et quand j'ai besoin de choses bien spécifiques, je les exporte séparément, mais en SWF. Par exemple, quand j'ai un. Là, voilà. Donc normalement, j'importe mon personnage comme ça. Et puis après, ben, je viens créer la lumière. Donc, et là, c'est la texture. Hein, donc. En gros, ma texture, je lui mets comme masque. Je crois comme c'est une texture assez semblable, qui est pas très, il n'y a pas de motif et de choses comme ça. Me suis pas embêtée à faire un suivi À sur le personnage pour la séparer le texture. personnage, ouais, ça peut rester en mode papier. Ouais, oui, j'ai séparé le personnage quand même. Après, on verra, mais notamment pour l'aile. Ouais, vous voyez là, la lumière, c'est pas très élégant sur l'aile. Donc, alors que dans mon rendu, si on arrive sur plus tard, si veut bien. Voilà, j'ai quand même une petite lumière. En fait, j'ai séparé l'aile après. D'accord, ouais. J'ai fait un export. Donc, c'est ça, les choses spécifiques dont j'avais besoin. Ben, j'ai une préconte qui s'appelle Gontran Bras, en fait. Non, c'est pas la bonne.
Et Gontran, c'est le nom de la cigogne, hein, c'est ça? Gontran-Bras, alors c'est peut-être celle-là. Voilà. C'est la cigogne, effectivement. Où j'ai juste le bras pour faire mes effets de lumière par-dessus. Voilà. Et là, c'est ma fumée. Donc, ce que je disais tout à l'heure, je crois, si je dis pas de bêtises, donc c'est. Qu'est-ce que j'ai intérêt? En fait, j'ai une animation qui est en boucle. Non, en fait, j'ai une animation qui est en boucle. J'avais voulu faire avec le fondu, mais j'ai une animation qui est en boucle dans Photoshop, je crois. C'est juste la même fumée qui bouge. Et après, je l'ai réanimé par-dessus un masque. J'ai réanimé par-dessus un masque qui s'ouvre et qui se ferme en fait en fonction pour faire l'apparition et la disparition. D'accord. Et après, j'ai mis cette apparition et cette disparition. J'ai mis à trois. Un, deux, trois, ouais, à deux images secondes avec un remappage temporel en fait. J'ai Ouais, mis des ce qui clés permet toutes les de... deux images et je les ai toutes figées pour que ce soit qu'on ait vraiment l'impression que ce soit dans le même pas d'animation que le reste de l'anime. Sinon, c'était trop fluide hein, par rapport au reste. Carrément, il y a Myriam qui nous dit car oui, on nomme bien ses calques et ses précompes, toujours. Ouais. Toujours obligé en animation, de façon que tu sois toute seule ou en équipe, là t'as pas le De toute choix, c'est façon, vraiment. de toute façon, même quand tu es tout seul, tu t'y perds si tu les nommes pas. Et vous voyez, par exemple, j'ai animé des ombres, enfin, il y a l'ombre de la porte, de petites ombres au sol aussi. Alors du coup, ça, ouais, ça répond à une question de Fifi que j'avais pas retransmise. Les ombres de la cabane sont réalisées dans Animate ou elles sont ajoutées dans Photoshop? Elles sont ajoutées dans. Non, les ombres de la cabane, elles sont ajoutées dans After, je crois. Elles sont ajoutées dans After, c'est ça par exemple. J'ai une ombre ici. Le Père Noël, ça c'est quoi? C'est l'ombre qui est sur le Père Noël, voilà, qui est un calque noir en gros, qui vient en mode produit. Sur la maison, là j'ai mis un calque marron au sol parce que je trouvais qu'elle faisait trop claire dans le bas et elle n'était pas assez ancrée. Donc j'avais rajouté ça. Et pareil, et puis il y a les ombres au sol. Les ombres au sol, est-ce que c'est des. Je crois que je les ai animées à la main. Dans Photoshop. Carrément. Motivé, vraiment le souci du détail jusqu'au bout. Ouais, ben oui, c'était pour que ça ait la même texture que c'est quelque chose que j'avais déjà fait dans mon précédent film au pays de l'aurore boréale. Il y avait des choses que j'ai animées dans Photoshop. Les éléments de décor pour que ça ait exactement la même texture que mes décors. Donc les pas dans la neige, la porte que j'ai animée, que j'avais où j'ai dessiné toutes les poses dans Photoshop, et puis là pour le coup je les ai importés dans Animate, mais voilà. C'est des éléments. D'ailleurs, j'ai réimporté la maison et la porte. Non, pour le coup, la porte, j'ai laissé. Je me demandais juste si j'ai fait. J'ai pas. Et le masque, je pense pas que j'ai refait le masque sur le Père Noël. Ça, on peut vérifier. S'il est en entier ou s'il est coupé. Il est coupé. Donc j'ai gardé le masque que j'avais fait dans Animate. Mais oui, après voilà, c'est un test. Comme c'est quand même un segment d'un long métrage, ben j'essaie de me faire plaisir sur les petits détails et tout, même si je suis sûre qu'il y a encore des choses qu'on pourra peaufiner en production. Mais l'idée, c'était de faire un test qui soit le plus proche de ce que j'aimerais avoir sur le rendu du film. Ouais, parce que pour le coup, du coup, ton segment à toi, il dure combien de temps? 10 à 12 minutes, on verra. En fonction J'ai du pas encore fait pour montage. l'instant, il y a juste un scénario, donc ça c'est vraiment ça va se déterminer au moment de l'animatique. Je pense qu'il sera dans ces eaux-là. Faudrait pas qu'il fasse trop moins que 10 minutes. Faudrait pas qu'il fasse moins que 10 minutes. Et je sais pas si c'est un problème s'il fait un peu plus de 12, mais après il y a toujours les histoires de budget hein, Ouais, bien qui sûr, vont parce que déterminer. comme tu disais, hein, c'est 3 secondes par jour et par animateur. Ah là, ce sera un peu plus même, ouais. Donc, mais en couleur. L'avantage, c'est que c'est des secondes d'animation qui sont déjà en couleur. Ouais, Mais t'as oui. pas le line puis la colo. Voilà, exactement. C'est l'avantage avec ce type de technique, c'est que les personnages sont déjà texturés, ombrés. Voilà. Et donc, effectivement, comme vous avez pu voir dans Animate, j'ai travaillé sur l'ensemble de la scène. Et je viens faire mon mouvement de caméra. Je l'ai fait. D'ailleurs, c'est très simple. Hein, je crois que j'ai mis un. Enfin, je l'ai mis directement dans After, quoi. J'ai remis la, enfin j'ai importé mon fichier FLA, puis j'ai remis à la bonne taille de mon cadre. Et est-ce que je vois pas. Normalement, je fais un. J'ai pas de caméra sur des choses comme ça. Je crée pas une caméra parce que ça n'a pas d'intérêt. Est-ce que j'ai animé
Directement, j'ai tout qui est lié à un nul. Voilà, j'ai un objet nul en gros qui va faire ma caméra. Oui, qui va te permettre du coup de déplacer l'ensemble, de De pas déplacer perdre l'ensemble. des morceaux Voilà, et d'animation au après, milieu. dans les parentages, simplement, je relie tout ce dont j'ai besoin à cet objet nul. C'est-à-dire que la seule chose que j'ai pas reliée, c'était mon son. Mais là, le son, je l'ai mis juste pour référence, mais tout est relié à mon nul. D'accord. Et après, si jamais je veux faire des parallaxes ou des choses comme ça, je les fais toujours à la main, en rebougeant, en faisant des En vitesses glissant, relatives, des vitesses différentes. Tout ce qui est le plus loin va forcément aller plus lentement que tout ce qui est le plus devant qui va aller plus vite. Mais là, peut-être que j'ai fait ça sur mes nuages, mais encore, je suis pas sûre d'avoir tout. Comme le mouvement de caméra est rapide et c'était pas très compliqué en termes de mouvement de caméra. Mais parce que c'est une question qu'on me pose pas mal, qu'on m'a posé pas mal, c'est enfin ceux qui n'ont pas l'habitude de faire de l'animation, je trouve que c'est pas terrible. Enfin, faut mieux pas animer dans l'animette. Ceci dit, maintenant il y a des caméras, hein, mais c'est plus simple de tout animer sur une grande scène et puis ensuite de venir régler son mouvement de caméra au compo. Ça permet d'être beaucoup plus pointu sur le réglage de la vitesse, et puis ça permet aussi de plus facilement le changer Tu en fonction du travailles compositeur. beaucoup sur les questions d'amortissement, etc., de rythme de chacun des éléments. Une fois que tu rentres dans Animate, en sachant que tu avais déjà animé énormément de choses dans After, pardon. C'est surtout les caméras et tous les petits objets du fond, comme les nuages et les choses comme ça. Le reste, et puis les effets. Les animations des personnages, j'y touche très rarement dans Animate. Dans After. Dans Pardon, After, oui, pas c'est y moi qui arriver. étais. Dans After Effects, puisque dans Animate, j'ai quand même l'ensemble de la scène qui est animée. C'est rare de trop y retoucher. Ça peut arriver, hein, on peut se rendre compte à ce stade-là qu'il y a un petit souci de raccord avec un autre plan, ou on se rend compte en faisant le montage. Parce qu'en général, sur un film, le monteur, il intervient à deux moments. Il intervient au moment de l'animatique. Mais il intervient aussi à la fin. D'accord. Juste avant qu'on lance le rendu de tous les films, tous les plans composités en général. Et du coup, Donc, lui, il va prendre la passe en l'état et te refaire ouais. un montage complet pour être sûr que ce que On vous va allez retravailler, on rendre. travaille ensemble, en fait. On va travailler ensemble. Lui, il va arriver avec un regard neuf. C'est en général le même monteur qui est intervenu au moment de l'animatique. Donc, il était là pour le projet. Par exemple, donc toujours pour en revenir au Pays de l'aurore boréale, puisque c'est le dernier film que j'ai pu faire, le monteur m'avait aidé. Par exemple, l'animatique était trop long, il y avait 2 minutes à couper. Ça fait du boulot, ouais. Ça faisait du boulot. On avait mis un peu plus de temps de montage à l'animatique qu'au final. C'était dit que s'il valait mieux vraiment prendre le temps d'arriver à résoudre ça en ayant quelque chose de satisfaisant. Et il m'a vraiment, et ça apporte un regard neuf. Enfin, moi, ça faisait 3 mois que j'étais dans cette animatique, je savais plus où couper, et lui, il a tout de suite trouvé les endroits où couper, et ça fonctionnait encore mieux, finalement, avec ses coupes. Alors qu'on peut se dire 2 minutes, non, mais c'est trop, on va jamais y arriver. Mais c'était bien de les couper. Et du coup, à la fin, on est plus sur vraiment du détail, des raccords entre des plans, des rythmes, peut-être inverser un ou deux plans, pas des choses monumentales, monstrueuses sur l'histoire. Puis il va commencer aussi après à poser un peu plus les sons pour donner des intentions. C'est juste des intentions de bruitage et des choses comme ça que moi j'avais déjà mis en place avant, mais lui il va pouvoir les repositionner encore mieux et redéplacer bien les voix aussi s'il y a besoin de créer des hors-champs de voix ou des choses comme ça. Mais ensuite il y a évidemment quelqu'un qui va faire le travail du son. D'accord. Et Ouais, donc, forcément, sur toutes les intégrations. Quand tu dis quelqu'un qui va faire le travail du son, donc il y a même ouais. toute une équipe. Il y a un sound designer, il y a un mixeur, il y a un bruiteur, Oui, parce puis il que y a un compositeur si sur tu la veux musique. de la cohérence sur le film, tu es obligé de rajouter des gens, enfin tu es obligé de rajouter pas mal de monde, parce que le compositeur va pas s'amuser à faire bruiteur et vice-versa. T'as des compositeurs qui sont sound designer et qui aiment bien d'ailleurs gérer l'ensemble parce que ça crée un univers cohérent, mais il va s'alimenter des bruitages qui sont enregistrés par le bruiteur, et puis le mixage, c'est encore un autre métier. Et en général, le sound designer était la sound designer sur Aurore Boréale, parce que c'était une fille, était restée pendant tout le mixage pour faire des petites retouches, et c'était vraiment chouette, quoi. Du coup, on l'avait fait les deux dans la foulée, et du coup, il y avait une espèce de synergie entre elle et le mixeur. Donc, c'était vraiment chouette.
Et le son, c'est 50% du travail dans une animation, quoi. En tout cas, Oui. pour donner la vie au film, dans la réussite d'un film, c'est 50%. Les voix, la musique, et les bruitages. Carrément, carrément. J'ai partagé le lien du trailer d'Aurore Boréale, enfin, directement de la page chez D'accord. Folimage. Comme ça, les gens pourront revoir un petit peu ça. Et sinon, vous pourrez rechercher de toute façon, parce comme on a fait plusieurs sessions avec Caroline, Ouais, il j'ai y a déjà déjà tout eu des montré, ouais. extraits de ça, hein, si vous êtes curieux. En ce moment, on peut le voir quelque part dans des festivals en ligne ou pas encore? Ou plus? Pas cette semaine, non. C'est, en général, c'est assez rapide. Enfin, et là, je crois, en France, je crois qu'il n'y a rien de prévu pour le moment. Mais j'espère qu'il sera visible. Bon. Je peux pas, enfin, pour l'instant, je peux pas en dire trop parce que j'ai pas de Oui, confirmation et c'est pas puis c'est officiel. pas Et... toi non plus qui gère le planning sur ça, et c'est Voilà, exactement. d'où l'intérêt d'avoir un Mais distributeur. normalement, si tout se passe bien, il devrait y avoir une sortie au cinéma, quoi. Un jour, peut-être. C'est ça. Un jour, tout le monde pourra refaire une sortie au cinéma aussi, pas que les Voilà. films, les Voilà, gens aussi. pour le moment, c'est un peu compliqué le cinéma. Myriam nous dit, j'ai souvent vu ce conseil d'ailleurs, si on peut, de faire faire son réel par un monteur pour avoir non seulement un vrai regard extérieur, mais en plus un vrai métier. Ouais, si on peut, c'est sûr que j'ai jamais fait ça, mais ouais, je vais le faire un moment avec quelqu'un et c'est vraiment bien parce que on a toujours besoin d'un regard extérieur. C'est vachement bien. Moi, j'ai fait des tas de films toute seule et c'est très pratique, c'est bien tout géré, mais quand même, l'animation, c'est reste quand même un travail d'équipe et on a besoin des forces de chacun. C'est beaucoup de boulot, donc s'appuyer sur les autres, arriver à s'appuyer sur les autres, c'est quand même super important. Oui, puis ça doit être un truc aussi qui s'apprend, parce que quand on Ouais. vu que toi tu maîtrises quand même tous les maillons de la chaîne, vu que tu faisais même tes propres voix off sur les premiers doublages qu'on avait Non, vu mais mes voix off, c'est sur les tes voix animatiques. témoins. Ouais. Mes voix témoins. Mais oui. Bah oui, c'est plus pratique en fait, parce que tu fais faire tes voix témoins. Enfin, sur un projet, j'avais trouvé deux, trois personnes qui travaillaient à côté de moi pour les voix témoins. Puis finalement, tu te rends compte que tu as besoin de changer une voix, changer une autre voix et tout. Et tu dois les retrouver, aller leur redemander de réenregistrer. Alors que si tu fais les voix toute seule, ben, tu veux changer une phrase, paf, tu reprends ton téléphone, tu t'enregistres un petit coup d'audition, je change le pitch de la voix si c'est pas. Je pitch la voix plus haute, plus aiguë, plus grave en fonction des personnages, et puis voilà quoi. Carrément. Briac nous dit, c'est top de faire des sessions en animation sur Animate et Photoshop. Merci Caroline et Franck. Ben merci Ben, Caroline surtout parce merci. que tu partages plein plein de trucs. Ça, c'est Ben, très très c'est chouette. important quoi. Hein. C'est important de partager ce qu'on fait. Enfin, même de. Moi, je regarde beaucoup de making-of ou de choses comme ça. J'en raffole en fait. Même à Annecy, c'est la chose que je préfère aller voir, c'est comment les gens travaillent. Même si j'adore voir des films aussi, mais rentrer dans les secrets de fabrication, c'est juste génial, quoi. Myriam nous dit, c'était hyper intéressant de voir les coulisses au pays de l'aurore boréale lors du Motion à Nantes il y a 50 000 ans. Un peu moins. Ça donne l'impression que c'était il y a 50 000 ans, ouais. Mais C'était. c'était qu'il y a 2 ans. Même C'était. pas. Et avec le public hyper concerné dans l'assistance. Je Ouais. suis là. Voilà, ouais. C'était très très beau. C'était la seule fois où elle est venue me voir présenter mon travail. C'était chouette. On Non, parle mais. de ma fille, hein, qui était dans Qui était l'assistance, dans qui avait 3 l'assistance, ans. qui avait 3 ans, et tu l'as citée à un moment, et elle a Ouais. répondu dans le public, on a entendu une toute petite voix qui faisait, mais je suis là, maman! Parce qu'elle m'avait aidée, je l'avais fait participer, j'avais créé des textures à l'encre sur papier, j'avais fait participer pour les faire, elle avait adoré le faire. Et du coup, je l'avais dit dans la session, quoi, j'avais expliqué comment elle m'avait aidée à créer ces textures. Et du coup, c'était trop mignon. Anaïs nous dit, je connaissais pas du tout votre travail. Quel travail de titan, c'est très poétique et ça fait rêver. Merci Bah, pour la merci beaucoup. découverte. Delphine trouve que t'es juste géniale, généreuse et tellement pro. Et Pierre a réussi à Merci. voir l'aurore boréale en entier. Du coup, je suppose à un moment où il était Ah, cool. disponible dans des courts-métrages, dans des Ouais, festivals. il a été plusieurs fois en ligne. Mais c'est vrai que là, comme ça fait un an, bah, les festivals qui recommencent maintenant, il a plutôt déjà été en fait. Ouais. Puisque là, il y a Clermont-Ferrand, par exemple, en ce moment. Il était à Clermont-Ferrand l'année dernière. Donc, ça va pas laisser énormément de festivals. Normalement, une vie en festival, c'est 2 ans. Mais là, Oui, comme il y a eu beaucoup de online. Ouais.
Ça, c'est dommage parce que c'était vraiment cool aussi d'aller à la rencontre du public et du jeune public. J'ai pu le faire un petit peu en janvier, février, mais ça a été vite coupé. On espérait que ça reprenne, puis finalement, en septembre, et finalement, tout a été à nouveau annulé, quoi. Alors là, tout le monde est en train de nous dire au revoir. Les gens savent que de temps en temps, ça coupe violemment du côté Beyond. On a encore une petite dizaine de minutes si on veut là-dessus. Tout va bien. C'est cool. Est-ce que toi, tu aurais encore des choses à nous présenter? Est-ce que dans le public, il y a encore des gens qui auraient des questions spécifiques pour Caroline? Qu'on complète et qu'on boucle tranquillement. Enfin, Ouais, boucler d'ailleurs, c'est une vraie question d'animateur en ce moment avec les réseaux sociaux. non, bah, enfin voilà, c'était. Moi, je pense que j'ai montré un peu la façon dont je travaille, peut-être pour les lumières, hein, c'est que j'utilise. Enfin, je l'avais déjà montré ça dans la session de Casimilo, c'est un peu la même façon, mais en gros, j'utilise toujours ma forme. Je vais pas redessiner des lumières en fait différentes, c'est pour ça que j'ai besoin parfois de redécouper certains éléments. Donc j'utilise mon personnage sur un calque séparé et je vais venir ici hop, le décaler pour créer un masque qui est décalé. Et sur ce calque-là, si j'enlève le masque, en fait je suis venue pour la lumière lui appliquer un style de calque avec une incrustation en couleur de jaune en lumière vive à 13. Enfin, bon, ça il suffit de tester. Et je vais lui dire de prendre comme masque le calque du dessus en inversé, si je dis pas de bêtises, le calque du dessus en inversé que j'ai en fait, qui est le personnage décalé, et ce qui va me permettre de créer cette lumière. Et puis par-dessus la texture, pareil, j'utilise le cache de mon personnage, de la forme de mon personnage par-dessus. Donc ça permet de faire de la lumière assez simplement, assez facilement, et c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir le bras. De faire la même chose, mais juste avec mon bras sur un calque séparé. Pour, hop, si D'accord, je me ouais, et mets puis un peu pour plus pouvoir loin. compléter, pour pouvoir il y a Voilà, toujours pour une que ça question de donne ce masque. résultat. Voilà, ouais, on a le bras et après, même j'avais testé là, par exemple, sur le Père Noël, j'ai même fait une petite ombre portée sous le bras. Toujours avec ces histoires de masques, avec des petits flous. Mais on peut vraiment s'amuser sur le rendu. On peut vraiment venir donner un peu plus de texture, de lumière, et casser vraiment le côté trop puppet et trop vectoriel. Enfin, là, en l'occurrence, c'est pas du vectoriel, mais même si on est sur du vectoriel, on peut venir casser ça après en s'amusant au compositing. Ça permet vraiment de travailler son image et de donner pas mal de choses, voilà, pour Ouais, obtenir car... vraiment le rendu qu'on veut. En tout cas, ouais, je vais vous faire un petit sondage aux gens qui nous regardent aujourd'hui. Est-ce que vous aviez percuté que du coup, dans Animate, vous pouviez animer les personnages que vous aviez composés dans Photoshop et du coup faire de l'animation texturée et matérée déjà à la base? Parce que je pense que ça, c'est un truc. Quand on parle d'animation dans Animate, tout le monde voit quelque chose de très figé vectoriel justement. Enfin non, pas figé parce que ça c'est vachement dynamique, mais plus vectoriel que ce que toi t'as avec vraiment de la brosse, de la texture et tout ça. Donc c'est mon Alors les gens vont petit. plutôt dans After hein, en général pour faire ça, mais c'est vrai que dans Animate, ça permet de travailler, enfin, ça permet de faire tout ce qui est les banques de bouche, les banques de, enfin, voilà, de faire ce qu'on appelle de la substitution, qui est plus chaud à faire dans After. Enfin, moi en tout cas avec mes outils. Tout à fait. Bon, c'est bon, on me répond qu'on savait pas. Donc ça me rassure, ça veut dire qu'on est utile à tout le monde. Alors Lise nous dit oui, Photoshop et Animate, ça marche très bien ensemble. Ouais, il y a des séries qui sont faites comme ça. Je pense que Mook, ça devait être fait comme ça. Et je me demande si Chien pourri, mais je veux pas dire de bêtises. Ils ont pas fait ça aussi. Ou avec Toon Boom Harmony peut-être, mais je crois qu'ils utilisaient Photoshop avec les crayons en mode En mode fusion et fusion pas pour avoir ouais. en mode fondu pour En mode la fondu, ouais, pour la transparence, texture, ouais, pour avoir ouais. le grain dans la texture. Et Fifi nous dit, moi je fais encore ça, je dessine dans Animate, texture, light et shadow dans Photoshop après, Ah et oui. VFX dans After après encore. Oui, c'est aussi une façon de faire. Ouais, je pense qu'en Ouais. plus il y a plein de il y a, y a plein de workflows différents qui fonctionnent d'ailleurs en fonction des prods. Lise nous confirme que pour MOOC c'est sûr. Ouais.
tu vois. Ah ouais. Très bien, très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup à tous. Je vais nous remettre vite fait sur la petite, sur le petit calendrier que j'aime bien, juste pour pouvoir rassurer les gens sur le planning. Donc demain, Zakizi, 14h. Ce sera du photomontage. Il fait pas mal de trucs assez étonnants, justement. Il fait pas mal de trucs de mélange de villes, de mélange de compos, et puis il nous montrera aussi, je pense, des facettes de son travail qu'on voit pas sur les réseaux sociaux, donc ce sera une bonne occasion. Et Louisa Ectomorphe qui sera avec nous le vendredi, qui sera avec Pauline pour parler communauté. Donc merci encore à toi, Caroline. Tout ce qu'on vient de voir est disponible en replay. Donc vous pouvez nous retrouver derrière et vous pouvez compléter avec nous. Il y a encore moyen de mettre des commentaires, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez moyen sur la chaîne YouTube ou dans Behance, parce que depuis pas longtemps, on a un bouton abonnement dans Behance. Donc les artistes que vous suivez, vous pouvez suivre leur travail en direct et vous pouvez voir quand ils sont présents sur des sessions. Donc ça va être très très cool. Et puis merci à tous. Merci à toi, Caroline. Merci beaucoup, merci à tous. À bientôt. Bye bye. Bye. Elle a un très bon emplacement.